Bienvenue sur les championnats de Belgique 2014 sur le circuit de Visselbeek. Alors après une échappée matinale de 13 coureurs, on a un groupe de 9 qui s'est constitué à l'avant de la course à plus de 60 km de l'arrivée. Devant on a Gert Stigmans, Julien Vermotte, Kenny Dehaas, Stig Brooks, Tosh van der Sande, Stijn Stiels, Yele Wallace, Chris Beukmans et Stedt van Mark. Donc on a des Lotto Belisol, des Baloise Van der Run, des Omega Pharma Quickstep. Donc derrière, c'est la formation Wanty et l'équipe de Wallonie qui est obligée de mener la chasse derrière le groupe de tête. Un groupe de tête qui va perdre Tosh Van der Sande qui a donné toutes ses forces pour permettre à cette échappée de garder 51 secondes d'avance à 22 km de l'arrivée. Toujours les mêmes équipes à l'avant de ce peloton, la Wanty Gobert pour son sprinter Roy Jens, l'écart est de 44 secondes à 14 km de l'arrivée. On croit que ça sent bon pour les hommes de tête. Mais malheureusement, on s'approche de la ligne d'arrivée et on pense à ses ambitions personnelles devant. Et donc, on s'attaque avec notamment Sepp Van Marck qui tente sa chance à moins de 5 km de l'arrivée, puisque devant, il y a quand même deux sprinteurs, Beukmans, deuxième du Grand Prix Samin 2012 et 2013, et surtout Stigmans, vainqueur de Nokere Corse 2011, du circuit franco-belge en 2006 et l'année précédente, et bien sûr vainqueur de la deuxième étape du Tour de France 2007. Donc devant, on va enterrer ses espoirs. Derrière en plus, la formation Omega Pharma Quickstep maintenant joue la carte Tom Bonen, champion de Belgique en 2009 et 2012, et donc on assiste à un sprint final pour le maillot de champion de Belgique 2014. Et le plus rapide, c'est un sprinter de la formation Lotto Belisol. Il s'agit du vainqueur du championnat des Flandres 2013 et vainqueur de l'Euro Métropole Tour toujours en 2013, Jens De Buchère, qui bat donc au sprint Roy Jens et le double champion de Belgique Tom Bonen. A noter que Jens De Buchère avait déjà remporté un titre de champion de Belgique, c'était en 2007 dans la catégorie des juniors.